conscience. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être présent pour l'aboutissement de ce grand projet de l'Association québécoise pour l'hygiène, la santé et la sécurité du travail, ou plus connu sous l'AQHSST. Laissez-moi tout d'abord me présenter. Dany Morin, j'ai été président de l'AQHSST de 2016 à 2020, auparavant vice-président à partir de 2015. Aussi, 2014, j'avais été président du Congrès aussi. Aujourd'hui, je travaille pour l'entreprise Abtec. Je serai votre maître de cérémonie pour ce grand lancement. Ce projet de révision me tient particulièrement à cœur. Et lorsque Mme Roberge m'a demandé d'être votre maître de cérémonie pour le lancement, j'ai été honoré et heureux d'accepter la proposition. Un projet important pour moi, puisque c'est pendant la deuxième année de présidence que la proposition mise à jour du manuel d'hygiène m'a été présentée par Mme Roberge. C'était un projet d'envergure proposé à mes collègues du conseil d'administration de l'époque. Ces collègues qui provenaient de tous milieux, qui avaient une très bonne connaissance du manuel, ont accepté d'emblée ce projet. Permettez-moi de les nommer, puisque sans leur accord, disons-le, un certain courage aussi. Devant l'ampleur de la tâche, ce livre n'aurait pas été présenté aujourd'hui. Je parle de Guylaine Nadon, France de Repentigny, Patrick Veillette, Hubert Fafard, Franck Napon, Christophe Élie Hébiat, Hugo Coulombe et Normand Dallaire, président de l'AQHSST de 2018 à 2020. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui, 4 ans plus tard, pour ce lancement de cette deuxième édition du livre Hygiène du travail, du diagnostic à la maîtrise de risque. Pendant 7 heures, nous vous présenterons des invités d'honneur qui viendront vous parler de leur implication dans ce projet, des gens qui ont cru en ce projet et qui ont accepté en leur nom ou par l'entremise de leur organisation de contribuer à la révision de l'ouvrage. Laissez-moi vous les présenter rapidement. Monsieur Luc Castonguay, vice-président de la prévention de la CNESST. Madame Lynne Sauvageau, présidente et directrice générale de l'IRSST. Madame Stacy Blundell, porte-parole pour la compagnie 3M. Monsieur Hubert Fafard, président de l'AQHSST. Je les remercie d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation de prendre la parole aujourd'hui. Évidemment, ce projet n'aurait certainement pas été rendu possible sans la très grande implication de Madame Roberge et des membres du comité éditorial. C'est elle qui a mené d'une main de maître toutes les étapes de révision. Elle vous expliquera le processus un peu plus tard pendant le lancement. Avant de débuter, j'aimerais vous expliquer le fonctionnement du webinaire. Pour toute la durée du lancement, il sera possible de poser des questions en utilisant la fonction questions et réponses dans le menu Zoom. Il est possible de le faire. S'il est possible de le faire, pardon, nous répondrons directement dans l'application Q&A, questions et réponses. Sinon, Mme Roberge répondra également pendant la période de questions prévue à la fin de la présentation. Si vous avez des commentaires, vous pouvez aussi nous en faire part en écrivant directement au bureau de la QHSST à l'adresse courriel inscrite sur le site Web. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter M. Hubert Fafard, président de l'AQHSST, qui fera le coup d'envoi de la cérémonie de lancement. M. Fafard est président de l'AQHSST depuis 2020. Il a été aux premières loges lors de la présentation de ce projet en 2017, lui qui était alors trésorier de l'association. Tout d'abord membre dès 2007, puis administrateur du CA à partir de 2014. M. Fafard connaissait la valeur de cette référence littéraire et l'importance aussi d'un tel ouvrage en hygiène du travail. M. Fafard, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Bienvenue. J'aimerais souhaiter les bienvenues en mon nom et au nom des membres du conseil d'administration de l'AQHSST. Je suis heureux de vous compter si nombreux aujourd'hui pour ce lancement du manuel d'hygiène du travail, deuxième édition. J'en profite aussi de l'occasion, je profite de l'occasion pour souligner la présence de nos collègues européens et de l'Afrique du Nord. Cette journée de lancement est très importante pour l'association, ses membres et toutes les personnes qui ont travaillé de près et de loin à la révision du manuel d'hygiène du travail. Tout au long de ce lancement, vous verrez différents intervenants qui ont joué un rôle majeur dans le projet.
Évidemment, le temps ne nous permet pas de vous présenter toutes les personnes, organisations ou entreprises qui ont contribué à cette deuxième édition. Il est important pour moi de les remercier chaleureusement quand même. Et vous avez contribué de façon remarquable par la rédaction, la recherche, la révision ou la correction des chapitres. Et sachez que nous sommes honorés et surtout reconnaissants. L'AQHSST a pu compter sur une collaboration venant de toutes les régions du globe et de toutes les sphères d'activité. Un projet qui a débuté en 2017 par une idée embryonnaire qui, de prime abord, m'a semblé irréalisable et surtout essentielle. Nous avons suivi à l'époque notre président Danny Morin qui a cru dès le départ à cette idée et a tout fait pour la mise en œuvre. En tant que trésorier, j'ai accepté d'emblée de faire ce qu'il fallait pour réaliser cette mise à jour et de trouver les fonds nécessaires pour en garantir son succès. Puis Normand Dallaire, président de la QHSST de 2018 à 2020, a continué le travail de soutien auprès du comité éditorial et de Guylaine Nadon pour la recherche de partenaires. Aujourd'hui, président, vous comprendrez qu'il est important pour moi de souligner le travail de mes deux prédécesseurs. Je les remercie d'avoir cru en ce projet puis d'avoir poursuivi les efforts nécessaires à sa bonne réalisation. Mon rôle aurait été de continuer de soutenir le comité et d'apporter mon aide en cas de besoin auprès de différents intervenants dans les dernières étapes du processus. Un livre qui vous a présenté aujourd'hui, mais qui a beaucoup d'histoire derrière la cravate et plus précisément qui remonte jusqu'en 1985. Parce que c'est à cette époque qu'un collectif d'auteurs sous la responsabilité du Collège de Saint-Laurent et le soutien de la CSST et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie du Québec, rédige un livre de référence en français sur l'hygiène du travail. Ce livre, alors axé sur la présentation des principes fondamentaux et des bonnes pratiques sous-jacentes, respectait la définition de l'hygiène du travail promulguée par l'AIHA. L'Association pour l'hygiène industrielle au Québec, qui deviendra l'Association québécoise pour l'hygiène, la santé et la sécurité du travail en 1995, avait collaboré à cet ouvrage qui deviendra au fil des années un livre indispensable à tous les intervenants en hygiène du travail. Soulignons entre autres la collaboration de messieurs Paul-André Bélanger et Raymond Moisan, fondateur de l'AIHIQ. Mais évidemment, le temps change et tout évolue, notamment en santé et sécurité du travail et ses domaines connexes. Dès 2001, il paraît évident qu'une profonde mise à jour doit être réalisée avec l'aide d'un comité éditorial dont Mme Roberge fait partie. Le nouveau manuel d'hygiène du travail diagnostique à la maîtrise des facteurs de risque voit le jour en 2004. Ce nouveau document de référence permettra de mieux supporter le milieu tout en harmonisant la pratique professionnelle. Axé sur le diagnostic des facteurs de risque, il rendra plus efficace les interventions et contribuera ainsi à assurer la protection de la santé et la sécurité de l'intégrité physique des travailleurs et travailleuses du Québec. Mais encore une fois, devant le foisonnement de nouvelles connaissances, d'avancées technologiques et de nouvelles approches, cette édition de 2004 avait, disons-le, besoin d'un peu de rafraîchissement. Le reste de l'histoire nous mène à cette présentation, ce lancement de la deuxième édition. Je laisserai le soin à Mme Roberge de vous entretenir davantage sur le processus et les efforts qui ont été déployés pour en arriver à cette sortie. Évidemment, je ne peux pas passer sous silence l'implication de nombreux partenaires qui nous ont soutenus soit par le financement ou par la collaboration directe. Partenaires experts, l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail, a permis de réaliser la révision d'un grand nombre de chapitres grâce à l'implication de ces scientifiques comme auteur, co-auteur et évaluateur. Je vous remercie pour votre implication, votre confiance en ce projet et surtout de nous avoir permis d'avoir eu accès à votre expertise scientifique. La compagnie 3M, notre partenaire principal, une entreprise qui a non seulement cru à ce projet, mais qui a pour son engagement dans tout ce qui touche l'hygiène, à la santé et sécurité du travail, grandement contribué au succès de cette aventure. Nous vous remercions et nous sommes fiers de votre participation. Nous avons également le plaisir de vous présenter nos partenaires majeurs qui ont soutenu financièrement le projet, l'entreprise Agnico Eagle, la CNESST, le ministère de la Santé et des Services sociaux, Rio Tinto et SPI Santé et Sécurité. J'aimerais vous résumer mon état d'esprit aujourd'hui en ces quelques mots. Nous y sommes arrivés tous ensemble. Pour conclure, je dédie mes derniers remerciements aux membres du comité Guylaine Nadon, représentant du conseil d'administration de la QHSST, à M. Charles Gagné et M. Éric Sirois. Ils ont accepté ce rôle dès le départ et ont tenu
bon pendant les 3 années qui ont demandé cette révision du manuel. Un temps inestimable et pour nous une reconnaissance perpétuelle. Merci pour tout. Mais tout ceci n'aurait pas été possible sans la participation remarquable de Brigitte. Merci pour ton expérience, ta connaissance, ton assiduité, ta rigueur et surtout ton temps. Ton temps de nouvellement retraité que tu as sacrifié pour nous, pour ce bébé qui est beaucoup le tien. Aujourd'hui, jour de lancement, nous pouvons maintenant t'honorer et contempler le résultat de tes efforts et te dire ta mission est accomplie. Merci Brigitte. Maintenant, à vous, chers auditeurs, je vous souhaite que vous puissiez trouver dans cet ouvrage les références qui rendront votre vie plus facile et qui vous permettront d'approfondir vos connaissances en termes de maîtrise de facteurs de risque. Je suis convaincu que cette deuxième édition rendra plus efficaces les interventions et contribuera ainsi à assurer la protection de la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleuses et travailleurs de la grande communauté francophone mondiale. Merci à tous. Donc, merci Hubert, ainsi que tous les membres du conseil d'administration de 2017 à ce jour qui ont appuyé ce projet. Je vais maintenant vous présenter notre prochaine invitée, Lynn Sauvageau de l'IRSST, détentrice d'un doctorat en santé publique de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université Laval. Madame Lynn Sauvageau est présidente, directrice générale de l'IRSST depuis août 2019. Elle a œuvré à l'Université du Québec à titre de vice-présidente à l'enseignement et à la recherche et au Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture comme vice-présidente au programme. Elle s'implique activement en recherche dans diverses organisations. Elle siège actuellement au CA de l'ACFAS à titre de présidente sortante. Elle est également membre du Conseil scientifique d'érudits et vient d'être nommée au Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec Santé FRQS. Merci, merci beaucoup. C'est un réel plaisir d'être là, d'être parmi vous pour ce lancement-là. Le lancement d'un ouvrage de cette envergure-là, c'est un moment très important. C'est un moment important pour tous ceux qui ont contribué à sa refonte. C'est un moment important pour les auteurs. Il faut souligner la quantité de travail que cet ouvrage-là représente et ce qu'il couronne. C'est un moment important aussi pour les milieux de travail. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais c'est un moment important pour eux. Et je sais que le manuel lui-même est une référence, pas seulement ici, mais dans toute la francophonie. Puis, en ce sens-là, c'est aussi un moment important pour nous de souligner, en fait, son importance en soi pour l'ensemble des milieux. Vous le savez, c'est comme maintenant, il est d'usage de dire que la pandémie a grandement ébranlé le monde du travail, on le sait, on le sent, mais cette pandémie-là nous rappelle aussi comment les connaissances sont au cœur des réponses qui sont appropriées pour outiller les milieux de travail et tous les intervenants dans la compréhension de toute situation complexe, et en milieu de travail, c'est souvent le cas, et aussi l'importance des connaissances dans la recherche de solutions qui sont adéquates aux problèmes de santé, de sécurité du travail et ce à quoi, je dirais, s'attache à répondre ce manuel. Il faut rappeler aussi que les milieux de travail, le monde du travail se transforme rapidement. Ça nous oblige à lire, à relire les contextes dans lesquels nous intervenons, identifier des nouveaux enjeux, des nouveaux défis en santé et sécurité au travail et ça aussi, le manuel a fait face à ce besoin de relecture. Et ça a été souligné, le comité éditorial a repensé complètement cette nouvelle édition-là en ajoutant des nouveaux volets, en ajoutant des nouveaux thèmes qui n'étaient pas abordés dans les éditions précédentes. Et ça aussi, c'est un travail important. C'est donc avec une grande, grande fierté que l'IRSST a été mobilisé, s'est mobilisé pour la mise à jour de cet ouvrage. Il y a plus de 20 employés de l'IRSST qui ont été investis dans ce projet-là, des chercheurs, des professionnels scientifiques, en fait, qui ont participé activement à la rédaction de chapitres
Et sans oublier, bien sûr, l'équipe de communication qui a participé activement à la révision de l'ouvrage. Donc, je veux les remercier, souligner leur apport. Puis, c'est une, je dirais, c'est une fierté pour l'IRSST d'avoir et de figurer là, comme partenaire de la refonte de ce manuel. Je veux bien sûr souligner l'effort colossal de réécriture de tout le monde, ceux de l'IRSST, mais également ceux des universités québécoises, des experts des universités québécoises, des universités européennes et des experts de la CNESST qui se sont toutes investies pour le, je dirais, pour le bien et pour la mise à jour, mais pour le bien des milieux de travail. En faisant ça, on contribue à offrir un milieu de travail plus sain pour tous, et c'est notre mission commune. Je veux bien sûr souligner la part inestimable de la QHSST dans la refonte et dans le pilotage de la refonte de ce manuel, dans la mise à jour. C'est un travail colossal pour notre partenaire donc en SST. Voilà, je veux peut-être terminer là. J'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Roberge avant la pandémie. J'en suis fort heureuse. Je la remercie chaleureusement. Le travail qui est fait par parfois un individu là, pour mobiliser tout le monde autour est important. Je veux souligner donc le travail à la fois le dévouement et le travail important, le nombre d'heures, je ne doute pas que Mme Roberge a consacré à cet ouvrage qu'on ne peut probablement pas compter. Donc, merci pour votre dévouement, merci Mme Roberge pour votre passion pour la santé et sécurité au travail. Alors, merci pour vos habiletés, puis pour votre, je dirais, votre, probablement votre, le dévouement, mais c'est plus que ça, mais c'est quelque chose comme la détermination pour mener à bien ce projet. Donc, Mme Roberge a été hygiéniste du travail pendant plus de 30 ans à l'IRSST. C'est une fierté pour nous aussi. Merci beaucoup. Donc, merci Mme Sauvageau pour votre implication. Merci beaucoup. Un projet de révision d'un livre de l'ampleur du manuel d'hygiène du travail a requis plusieurs ressources, notamment financières. J'aimerais souligner particulièrement la participation d'un partenaire essentiel de la QHSST qui, par son soutien financier, appuie les projets de l'association depuis maintenant 24 ans. En effet, l'entreprise 3M est devenue partenaire de la QHSST par la création de la bourse 3M, remise au meilleur des deux conférences lors des congrès annuels depuis 1997. Nous sommes donc très heureux d'avoir compté une fois de plus sur 3M qui a accepté de devenir partenaire principal du projet. Les membres de la QHSST, les administrateurs et les membres du comité éditorial en profitent pour remercier chaleureusement M. Ross Mureau, directeur de la division Santé-Sécurité Région Québec, pour avoir répondu présent à notre invitation lors des recherches de partenaires. Il m'a fait plaisir d'inviter Mme Stacy Blundell, hygiéniste industrielle et porte-parole pour l'entreprise 3M, à prendre la parole. Donc, je tiens à vous remercier de nous accorder quelques minutes pour parler. Chaque jour, on va parler un petit peu de 3M, chaque jour 3M fait appel à son expertise scientifique pour découvrir aussi et créer des innovations qui rendent la vie plus sécuritaire et aussi plus amusante. En moyenne, les Canadiens tombent sur une innovation, un produit de 3M tous les 30 minutes et vous n'êtes jamais à plus que 3 mètres d'un produit 3M. Ces produits sont dans nos maisons, nos hôpitaux, nos projets, nos chantiers, nos voitures, à nos composants électroniques et plus encore. Les scientifiques de 3M mènent actuellement des activités de recherche et développement afin de trouver de nouvelles solutions dans les divers secteurs de l'industrie. Nos quatre secteurs d'activité majeurs sont sécurité industrielle, transport et électronique, soins de santé et consommateurs. Aujourd'hui, dans 3M, nous avons plus que 90 000 employés dans le monde
et nous avons obtenu plus que 117 000 brevets. Nous vendons des produits dans presque 200 pays. 3M, dans le fond, c'est une entreprise scientifique qui s'appuie fondamentalement sur la science. Notre succès commence par notre capacité à mettre nos technologies et suivant le mélange de nos technologies en application pour répondre à un nombre infini de besoins des clients. En tant qu'entreprise scientifique, nous sommes passionnés par l'investissement dans notre futur main-d'œuvre. Au Canada, on supporte des initiatives qui augmentent l'intérêt des étudiants dans les STM, donc la science, technologie, ingénierie et mathématiques, et on supporte des organisations en vocation scientifique. Et c'est pour cette raison que nous étions heureux de travailler avec la QHSST et de soutenir ce projet-là. Nous sommes convaincus que ce livre continuera d'être une excellente ressource pour les professionnels de la santé et de la sécurité actuelle et aussi celle pour le futur. Donc, encore une fois, merci. Donc, merci, Mme Blondeau, ainsi que M. Mureau et 3M pour votre précieuse collaboration à ce projet. Il me fait maintenant plaisir de vous présenter notre prochain invité, M. Luc Castonguay. M. Castonguay est le vice-président à la prévention de la CNSST depuis 2019, qui est responsable notamment du développement des politiques et orientations en matière de prévention et d'inspection, de même que l'évolution du cadre légal et réglementaire en matière de santé et sécurité du travail. M. Castonguay possède une vaste expérience au sein du giron gouvernemental, en étant auparavant sous-ministre adjoint, notamment au ministère de la Santé et des Services sociaux. La CNSST, à titre d'organisme gouvernemental chargé de l'administration du régime en santé et sécurité du travail, est fier de s'associer à la QHSST pour son partenaire de longue date pour le lancement de la nouvelle version du manuel d'hygiène du travail, du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, M. Morin. Je voudrais d'abord saluer les intervenants qui ont pris la parole avant moi, M. Fafard, Mme Sauvageau et Mme Blundell. Je voudrais également féliciter et saluer les organisateurs du webinaire et les membres du comité éditorial et plus particulièrement le travail de Mme Roberge, qui est apprécié évidemment de tous. Permettez-moi aussi, avant de vous adresser la parole, de présenter les gens qui m'accompagnent, qui sont des collaborateurs très étroits que vous connaissez, que vous reconnaîtrez sans aucun doute. D'abord, Éric Sirois, qui, dans mon équipe, est directeur de l'hygiène du travail. Plusieurs conseillers en prévention et inspection, Alexandre Desjardins, Anne-Marie Filion, Évelyne Bouvier, Sheena Émilie Boucher, Sophie Charon, Fatime Diallo, et Marie-Claude Dufort, conseillère experte en ergonomie, des gens avec qui vous avez sans doute collaboré. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'assister à ce lancement du manuel d'hygiène du travail, du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque par l'Association québécoise pour l'hygiène, la santé et la sécurité du travail. La CNSST est fière d'avoir contribué à la réalisation de la révision de ce manuel. L'édition précédente était utilisée comme contenu pédagogique dans les cours d'hygiène du travail au niveau collégial et universitaire et était aussi une référence pour plusieurs intervenants en hygiène du travail. Alors, je vous remercie d'avoir mis à jour ce manuel pour qu'il demeure une référence et une source d'information reconnue en matière d'hygiène, de santé et de sécurité du travail. La CNSST est heureuse de compter sur le rayonnement de l'AQHSST et souligne d'ailleurs son 40e anniversaire. Au fil des ans, vous avez développé de nombreuses formations et fourni à vos membres de l'information sur des thèmes comme les maladies professionnelles, la toxicologie industrielle, l'ergonomie, la sécurité des machines et la législation. Certaines sont en lien avec des cibles de tolérance zéro de la CNSST et aussi les risques qui sont priorisés dans notre planification pluriannuelle en prévention-inspection, notamment la 2021-2023. La CNSST peut compter sur son partenaire, l'AQHSST, pour donner notamment de l'information
et de la formation qui contribuent à soutenir des milieux de travail dans la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail. Votre contribution est donc importante et je vous en remercie. En terminant, je vous félicite pour la réalisation de cette mise à jour de manuel qui, je le redis, est une référence en matière d'hygiène, de santé et de sécurité du travail. Votre engagement, votre rayonnement en matière de santé et de sécurité du travail, en partenariat avec nous depuis plus de 40 ans, ont une incidence pour que les milieux de travail soient sains et sécuritaires. Et votre détermination et vos efforts favorisent l'implantation de cette culture de prévention au quotidien dans les milieux de travail. Un travail en prévention qui est toujours à refaire, qui est constamment à remettre sur le métier. Alors, merci de votre attention et encore une fois, félicitations pour cette initiative porteuse de prévention. Je vous remercie, M. Castonguay, d'être avec nous aujourd'hui. Votre appui est essentiel à la bonne réussite de ce type de projet et nous sommes heureux de votre participation. Vous en avez entendu parler depuis le début de ce lancement. Le comité éditorial est sans aucun doute le QG, la base de tout le déroulement de ce projet. Un comité qui a travaillé fort pendant près de 4 ans à tenir les rênes, à guider et à répondre aux nombreuses questions de tous les intervenants. Principal relais entre les auteurs, la maison d'édition, les réviseurs et le CA de la QHSST, ce comité a veillé à rencontrer les délais et à trouver des solutions aux petites embûches qui se sont pointées pendant le parcours. Ce comité éditorial a été composé de 4 personnes. Il m'a fait plaisir de vous les présenter. Madame Brigitte Roberge, mandataire principale pour la QHSST, Madame Guylaine Nadon, ROH et hygiéniste du travail, jeune retraité, Monsieur Charles Gagné, directeur de la direction des communications de la veille de la mobilisation des connaissances, IRSST, Monsieur Éric Serrois, directeur de l'hygiène du travail, CNESST. Donc, merci à vous quatre pour votre dévouement et votre disponibilité très appréciée de nous tous. Avant de vous présenter notre prochaine invité, nous proposons de regarder une petite vidéo qui résume le processus, mais surtout qui vous présentera les auteurs et les co-auteurs qui ont participé à cette révision. Thank you.
Pardon, il me fait maintenant plaisir d'inviter Mme Brigitte Roberge à venir nous parler du processus qui a mené à la réalisation de cette deuxième édition. Mais avant qu'elle débute, laissez-moi vous la présenter. C'est à ce moment que j'aimerais avoir une voix de présentateur du Centre Bell et vous présenter notre joueur vedette. Mme Roberge a travaillé comme hygiéniste industrielle à l'IRSST pendant plus de 37 ans. Mais elle a également eu une grande expérience de tout ce qui a touché de près ou de loin à la QHSST. Dès 1998, Mme Roberge fait partie des différents conseils d'administration de la QHSST jusqu'en 2008, dont 6 années consacrées à l'association. Donc, 6 années. Elle occupera différents postes, passant de responsable du comité de soutien au Congrès à trésorière, mais c'est en 2003 qu'elle accepta d'être vice-présidente et deviendra présidente de la QHSST en 2004. Mais là, ne s'arrête pas son engagement puisqu'elle parrainera au début des années 2000 la parution de l'ouvrage intitulé « Manuel d'hygiène du travail, du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque » qui sera publié en 2004. Depuis l'apparition de cet ouvrage en 2004, les connaissances scientifiques et les façons de faire des intervenants sur le terrain dans les différentes sphères de l'hygiène du travail ont connu un essor important. Le conseil d'administration de la QHSST décide en 2017 de mettre à jour cet ouvrage. Faire appel à Mme Roberge pour procéder à cette mise à jour était un choix tout à fait judicieux pour moi et le comité. Fraîchement retraitée, elle a accepté d'emblée de former un comité éditorial pour notre plus grand bonheur. Sans Brigitte et ses connaissances, son expérience, ses contacts et sa rigueur, cette révision aurait été beaucoup plus ardue. Je suis donc très heureux qu'elle ait accepté, puisque son travail, que je considère titanesque, aura permis de présenter cette deuxième édition. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Je dois avouer que je suis émue, très émue, mais il faut ce qu'il faut. Écoutez, effectivement, selon ce qu'a dit M. Morin, j'ai manifesté très tôt mon intérêt pour que cette révision-là se fasse, car j'avais des demandes des gens du terrain quand ils me voyaient, et il faudrait que ce soit remis à nouveau. Et j'en suis très fière. Donc, en mai 2017, de mars à mai 2017, ça s'est discuté au niveau du conseil d'administration. Après, en mai 2017, j'ai manifesté au niveau du comité des anciens présidents. Par après, en juin, nous avons obtenu, Guylaine Nadon et moi, nous avons obtenu un mandat pour conclure une entente entre la QHSST et la maison d'édition. À partir de ce moment-là, tout un travail préparatoire a débuté afin de démontrer à la maison d'édition l'intérêt du projet qui a suivi, qui précède cette publication-là. Il a fallu élaborer l'étape des matières, la nouvelle version. Il a fallu faire une recherche pour pouvoir savoir exactement quelles étaient les choses qu'il y avait à faire, les consignes d'écriture et pour guider les auteurs, les citations, les références et tout ce processus-là. Donc, une légère étude de marché pour savoir où ça s'était vendu, ce livre. Les premières rencontres à partir de l'automne 2017 avec la maison d'édition ont eu lieu. Et là, on a discuté de la faisabilité du projet. Moi, j'ai sollicité tous les anciens auteurs de la version de 2004 pour connaître leur intérêt. Plusieurs ont manifesté leur intérêt et nous avons poursuivi avec eux. D'autres ont manifesté moins d'intérêt et il a fallu donc rechercher des nouvelles têtes d'affiche, comme on dirait. Et c'est là qu'est arrivée toute l'affaire. La signature de l'entente entre la maison d'édition et la QHSST a eu lieu sous la présidence de M. Normand Dallaire, comme tel, à l'automne 2018. La production des chapitres a été rendue possible grâce et uniquement grâce à la rigueur de tous les auteurs et de tous les co-auteurs de respecter les échéanciers. Ils étaient au courant depuis le début qu'il fallait y avoir un certain rythme dans les échéances, mais c'était très court comme tel. Donc, la première version des chapitres devait arriver en décembre 2019. Et ça a été révisé par les membres du comité éditorial et retourné pour avoir une deuxième version comme telle
d'avoir cette version-là corrigée afin de l'envoyer aux évaluateurs. L'évaluation scientifique est primordiale dans un écrit comme celui-ci parce qu'il faut absolument que toutes les choses soient contre-vérifiées. Pas que les auteurs étaient dans l'erreur, simplement des fois pour ajouter des petits détails ou présenter des choses. Et c'est, le rôle des évaluateurs est important, il faut le souligner excessivement, particulièrement. Et quand on suit le processus, à ce moment-là, bon, les auteurs ont apporté des corrections et après, ça a été le dépôt de tous les chapitres en mai 2020. Vous voyez qu'avec tout ça, ça a pris quand même, c'était très intense et il fallait absolument que ce soit fait de cette façon-là. À partir de ce moment-là, il y a eu la révision linguistique que les auteurs ont dû approuver et qui a débuté, qui s'est produit en l'automne 2020 et le début de l'hiver 2021. Après, ça a été la révision des épreuves. Il y a certains chapitres qui ont nécessité jusqu'à 4 épreuves. Mais peu importe, le travail a été fait de main de maître. Et sur ça, je tiens à remercier beaucoup des membres de l'équipe de Charles Gagné qui ont pu me soutenir dans ceci, en plus des gens du comité éditorial, parce que c'est un travail colossal de relire et de voir tous les détails, des références et tout et tout. Donc, je me permets à ce moment-ci de remercier moi aussi les membres du comité éditorial. Bien que maintenant, vous les connaissez tous, mais je les remercie chaleureusement parce qu'ils m'ont soutenue dans tout ça. Ça n'a pas toujours été facile. Je spécifie Guylaine Nadon, qui a toujours été une alliée et une complice dans cette aventure-là merveilleuse avec elle. Et Charles Gagné, Éric Sirois également ont toujours été très bien. Je tiens à remercier particulièrement Charles Gagné, comme je vous disais tantôt, pour la possibilité d'avoir eu accès à des membres de son équipe, dont Patricia Labelle, pardon, Manon Lévesque, Catherine Dufresne et Philippe Lemay. Et je remercie également M. Éric Sirois pour toutes ses démarches auprès des auteurs de la CNESST, ainsi que pour avoir obtenu les données statistiques à jour le plus possible dans le chapitre des statistiques. C'était pour moi très important que les choses soient vraiment mises à jour comme telles de façon spécifique. Au moment où on se parle, je suis très émue et heureuse de remercier tous les auteurs et les co-auteurs. Plusieurs ont été des confrères, des consoeurs de travail pendant plusieurs années ou des collègues dans mes participations pour les projets. Je tiens beaucoup, beaucoup à les remercier très sincèrement d'avoir accepté d'effectuer ce transfert de connaissances scientifiques. Sans vous, auteurs et co-auteurs, ce projet ne serait pas une réalisation aujourd'hui que nous connaissons. 3 années de processus ont été nécessaires pour concrétiser cette réalisation et durant cette période, vous avez souvent cumulé des tâches supplémentaires, entre autres liées à la pandémie. D'autres ont sûrement vécu des situations équivalentes et diverses. Pensons aux difficultés qu'a pu surmonter le télétravail pour certains auteurs avec les enfants pouvant perturber la quiétude de la maison. Merci pour votre précieuse collaboration lors du processus de cession de droit des figures des auteurs relatifs au droit d'utilisation des figures et des tableaux. Certains chapitres ont demandé plusieurs figures, donc il y avait beaucoup d'allers-retours dans mes messages pour que vous puissiez approuver chacune des figures qui étaient soumises par les différentes compagnies. Je vous remercie pour vos réponses rapides à mes différentes demandes, en lien soit avec des références manquantes ou peu importe, toute autre demande. Vous avez toujours été très prompt à me répondre. D'ailleurs, ma messagerie électronique est très libre en ce moment, je dois avouer. Zoom et d'autres plateformes informatiques ont leurs limites, mais ont grandement contribué à faciliter le travail du comité éditorial par opposition à la situation que nous avions vécue entre 2000 et 2004, où c'était en fait présentiel. Vous n'avez pas procédé qu'à un simple remodelage des chapitres comme tel. Vous avez apporté dans cette édition un aura digne de votre compétence scientifique et de vos avancées de connaissances dans vos domaines. Je vous en remercie beaucoup. Le renom, la réputation de ce livre repose sur vous en tant que tel. Vous avez répondu aux commentaires des évaluateurs afin d'enrichir vos textes. Et je tiens à remercier à ce moment-ci à tous les évaluateurs qui se sont prêtés gracieusement au nom de la QHSST à réviser ces chapitres.
plusieurs de ces autres, de ces évaluateurs ont un renom très international et connu. En tout cas, quand je voyais apparaître des noms, moi comme tel, j'étais là, je me disais, ça ne se peut pas qu'ils acceptent. Pour moi, c'était une sommité internationale et ils l'acceptaient de répondre à la demande de la QSSST. J'étais très contente. Je remercie donc tous les évaluateurs. J'ai lu tous vos commentaires et les réponses que les auteurs à ces commentaires. Merci de votre contribution à la renommée du livre. Je tiens à remercier également la maison d'édition avec sa vigilance, son équipe de la maison d'édition a permis de répondre à tous les critères, de hauts critères de publication. Ça a été vraiment un plaisir de travailler, entre autres particulièrement avec Marilyn Leblanc et son équipe pour leur excellent travail. Je termine en remerciant les partenaires qui sont surtout l'IRSST pour moi. Il y a encore, j'ai quand même encore un petit lien d'attache, je dois vous avouer honnêtement, même si ça fait 3 ans que je suis à la retraite. 3M, la CNESST, Ignatio Ego, le ministère de la, le M3S, le ministère de la Santé et des Services sociaux, Rio Tinto et SPI. Je tiens à remercier particulièrement Mme Sauvageau de l'IRSST pour la rédaction de la préface du livre, mais également pour avoir poursuivi et permis la collaboration de tout son personnel, chercheurs, scientifiques et autres qui ont pu réaliser, qui ont permis la réalisation de ce livre. Je veux souligner tout particulièrement le travail de Stéphanie Boisvert, coordonnatrice des opérations de l'AQHSST, pour son travail, notamment pour la logistique du lancement. C'était quelque chose, en tout cas, que personnellement, je ne connaissais pas et je dois avouer que je la remercie amplement. Elle a fait le travail d'une main de maître. Je pense en ce moment à la prochaine édition, mais ce ne sera pas moi qui pilotera toutefois ce travail. Par contre, je mettrai lors des prochains mois sur papier des grandes lignes pour que la prochaine édition soit un succès et que certains problèmes puissent être identifiés. Ce n'est pas toujours évident de négocier avec une maison d'édition, de démontrer le sérieux qu'une association peut avoir avec un collectif d'auteurs. Je tiens à spécifier que les personnes qui sont sur le prochain comité éditorial, si Dieu m'en prête la vie, je serai là pour répondre à leurs questions et ça me fera plaisir. Donc, je vous remercie très chaleureusement, messieurs et mesdames les auteurs, les co-auteurs, messieurs et mesdames les évaluateurs. C'était un plaisir d'échanger des messages avec vous et de réaliser cette œuvre qui sera sûrement importante. Merci. Quoi dire de plus que simplement et sincèrement, merci beaucoup, Mme Roberge. Concernant la distribution et les achats, comme vous pouvez le constater, ce livre a nécessité bon nombre de partenaires, de collaborateurs, d'auteurs et de réviseurs. Un livre maintenant disponible pour vous. Évidemment, afin de répondre aux différents besoins du marché, le livre est disponible en version papier et en version numérique. Il est distribué par l'éditeur Chenelière Éducation, mais est réservé aux résidents du Canada. Pour les achats en Europe et en Afrique du Nord, à titre d'exemple, les plus importantes librairies pourront l'offrir dès que la promotion faite par la maison d'édition Chenelière sera complétée. Je vous invite donc à vérifier sur les différentes plateformes des librairies ou de contacter le secrétariat directement de la QHSST. Chaque version papier comporte à l'intérieur un code d'accès personnel qui vous donnera droit à une version numérique. Donc, pour 244,95 $, vous aurez une version papier et une version numérique pour 1 an. Pour les accès PDF numériques, il est possible de les acheter au tarif de 195 $. Cette licence est disponible pour une durée d'1 an. Elle est donc une solution parfaite pour un étudiant qui pourra le consulter dans le cadre d'un cours et ce, à moindre coût. Rendez-vous sur le site web de la maison d'édition, chenelière.ca. Donc, nous en sommes déjà rendus à la période des questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par l'application Q&A,
questions et réponses de ce Zoom qui devrait se trouver au bas de votre écran. Cette période de questions sera lue par Charles Gagné. Brigitte sera celle qui répondra aux questions. Quelqu'un qui demande est-ce qu'il sera possible d'acheter le livre lors du prochain congrès de la QHSST? Il y a toujours possibilité de l'acheter, effectivement, mais je ne vois pas pourquoi attendre le prochain congrès. Malheureusement, on est encore en virtuel, c'est ce qui est dommage. Mais je pense que ça peut être acheté directement comme tel, de façon spécifique. Je sais que présentement, c'est qu'il y a eu certaines copies qui ont pu être vendues de façon régulière par la QHSST directement. Mais là, je ne sais pas où ça va en être lorsqu'il va y avoir un prochain congrès. Je n'ai pas de boule de cristal, mais il sera toujours accessible pour le prochain congrès. Donc, au prochain congrès, bien, comme tu le disais l'autre jour, Brigitte, tu disais, tu sais, Charles, les gens pourront lâcher en avance et au prochain congrès, ce sera une bonne occasion d'en parler. Oui, ce sera une bonne occasion. Là, j'ai quelques questions. Est-ce que tu peux rapidement nous résumer les principaux ajouts, changements entre les deux versions? Oh mon Dieu, les principaux. C'est évident que quand on regarde, je vais y aller de façon systématique par chapitre, les statistiques, ça a été mis à jour parce que, bon, les statistiques, il faut réaliser que les statistiques, il faut toujours qu'ils aient un point de... Moi, j'appelle ça un point de dormance, mais je sais qu'il y a un terme. Il faut qu'il soit quand même le plus à jour possible comme tel. Compte tenu, il y a beaucoup de choses. On parle maintenant de nanoparticules, enfin, comme tel, parce qu'avant, en 2000-2004, nanoparticules était un sujet complètement à part, qui était impossible. Moi, j'ai parce que tous mes appareils électroniques sont branchés ensemble. Il faudrait tout que j'ai ferme. comme tel. Fait que ça, c'est évident. Bon, si on regarde au niveau, ne fût-ce que microbiologie, les deux chapitres sur la microbiologie, il y a eu une avancée extraordinaire, des choses complètement nouvelles. Je dois avouer que l'auteur qui a rédigé ces deux chapitres-là, il a mis beaucoup d'âme et de cœur pour pouvoir apporter toutes les dernières nouveautés, dont notamment qui était au début de la pandémie où on connaissait quand même moins de choses, mais de parler de SARS-CoV-2 déjà à ce moment-là. Et si on continue, étant donné qu'il y avait quand même beaucoup de nouveaux auteurs, qui était comme maître, le premier auteur comme tel, les choses ont été complètement modifiées et revampées. C'est assez difficile de dire exactement quelles pourraient être dans tous les chapitres les nouveautés, mais si on regarde au niveau analytique des contaminants chimiques, c'est toutes les dernières nouveautés et je dois avouer que les auteurs ont apporté énormément de modifications et un intérêt très grand. Elle fait avancer complètement l'évolution de l'écrit qu'il y avait par rapport à 2004. Les instruments à lecture directe, la même chose, parce qu'il y a eu une évolution. Tous les commerçants qui faisaient qui font des appareils à lecture directe, des instruments à lecture directe, bien, il y a eu une évolution dans ce domaine-là. Comme a dit un peu Mme Blondel tantôt, 3M a apporté des modifications, mais tous les fabricants d'instruments ont apporté des modifications. Tantôt, je parlais des nanoparticules. Le volet maintenant, nanoparticules, est traité dans l'instrumentation comme tel, les appareils qu'on appelle instruments à lecture directe. Et avant, il y en avait peu ou pas, où ils étaient moins performants. Mais maintenant, c'est complètement nouveau. Et je dois avouer que l'auteur qui a fait cette section-là a mis beaucoup de cœur et d'ouvrage pour pouvoir vraiment apporter toutes les connaissances possibles là-dedans comme tel de façon spécifique. J'en passe, si on parle au niveau du bruit, c'est la même chose. On a des nouveaux auteurs, mais sous la direction de toujours le même auteur comme tel, mais des nouveaux qui ont apporté un volet différent, ont complété complètement les choses. Je vais, Brigitte, rapidement, pour respecter le temps qui nous est accordé aujourd'hui, deux questions, je pense, que je vais te poser. Une qui, je pense, qui n'est pas très longue à répondre, puis je vais commencer par celle-là. Est-ce qu'il va y avoir une version en anglais? Est-ce qu'il y a une version anglaise qui est prévue? Il n'y en est pas de prévue présentement.
Il faudrait revoir. Il n'y en avait pas dans la version précédente et on n'a pas négocié ce volet-là, effectivement. Ça serait quelque chose qui pourrait peut-être être possible. Il faudrait voir avec la maison d'édition. OK. Et là, je vais profiter. Il y a quelqu'un qui nous demande si on peut montrer le manuel. Je ne sais pas si tu l'as à côté de toi. Sinon, moi, je l'ai. On peut le montrer pour ceux qui ne l'ont pas encore, qui l'ont pas encore reçu. Dernière question, Brigitte, et par la suite, je crois qu'on pouvait retourner par courriel les réponses aux questions qu'on n'aura pas eu le temps de répondre. Une dernière qui est intéressante, c'est comment le comité éditorial a fait pour choisir les auteurs vu la quantité d'experts disponibles au Québec? Bien, comme je disais, dans le processus, on a quand même débuté par respect pour les auteurs de l'édition précédente. Ça a été à partir d'eux, souvent, ils pouvaient peut-être nous recommander parfois des auteurs qui avaient des possibilités. Mais je dois avouer que je me suis beaucoup repliée sur l'IRSST qui a un bassin très intéressant et très important de scientifiques, ainsi que la CNESST qui a un bassin très intéressant de scientifiques. À ce moment-là, ça a été les deux principaux. Principaux. Les autres, bien, la plupart, si on regarde le chapitre 1 qui comprend maintenant 1 et 2 de l'ancienne version, ce sont les anciens auteurs. Le chapitre 2, c'est un auteur de la CNESST. 2, 3, c'est de la CNESST. C'est arrivé un petit peu par hasard comme tel et ce sont tous des gens d'expérience, des gens qui ont beaucoup de vécu en hygiène du travail et dans leur domaine spécifique. Donc, ceci met fin à ce lancement virtuel du livre Hygiène du travail, du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque. Nous vous remercions pour votre présence et espérons vous retrouver sous peu dans une autre activité réalisée par la QHSST, qui, espérons-le, possiblement en présentiel. Un dernier remerciement à tous les intervenants qui ont pris la parole pendant cette heure de lunch. Merci pour votre temps. Avant de vous quitter, je ne veux surtout pas oublier de remercier la personne que je qualifie de pilier à la QHSST, c'est-à-dire Stéphanie Boisvert, au secrétariat, qui assure depuis déjà plusieurs années le pont entre les administrateurs, les membres et les comités, comme dans le cas du lancement de ce livre. Donc, merci beaucoup à Stéphanie. Stéphanie, pardon. À mon nom et au nom principalement de la QHSST, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et merci encore pour votre présence.